Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Rungor. Donc en Early Access, on venait de débloquer l'archer à l'épisode d'avant, on est toujours en live, et on va donc se le tester. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Obtient esquive à chaque cardouille. Ok, celui-là on l'avait dans la démo, je me souviens. Et effectivement, son objectif c'était plutôt de ne pas prendre de coups. Permet d'esquiver les attaques pendant une seconde. Ok, donc à chaque fois qu'il va attaquer... Ah, on commence à débloquer un petit peu des artefacts. A chaque fois qu'il va attaquer, il va pouvoir esquiver des attaques. Ah oui, c'est vrai, il a son espèce... Ça me fait penser à une borne incendie, ce truc-là. C'est une espèce de potion avec des bras musclés, mais ça me fait penser à une borne incendie. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. On va voir si on peut gérer l'église avec lui. Se confesser, c'est quand même cringe. Change de héros à chaque étage. Oh, excellent. Ok, on va tester ça. Bon, on commence avec des flasques qui empoisonnent. Pourquoi pas. En plus, ça va être important d'essayer de jouer juste avant que l'ennemi tape pour générer de l'esquive. Alors, inflige un empoisonnement, plus 3 pour chaque coup critique dans cette bataille. Ok. Inflige des dégâts critiques, la prochaine attaque sera un coup critique. On va combattre un confessionnel. Renforce les dégâts de 1 pour chaque ennemi vaincu dans ce niveau. Ok, donc on a bien fait de... C'est cool de le remplacer tout de suite, quoi. Donc là, si je fais un coup critique, il va faire 6 de poison. Il a 30 PV, c'est plutôt pas mal. On augmente l'attaque pendant 6 secondes. Ok, on va prendre ça. On va attendre qu'il nous attaque. Ouais, j'ai raté mon esquive. Hop, esquive. Ça va être compliqué, hein. Il a pas masse de PV. J'ai l'impression que quelque chose te suit. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Hein? Quoi? Oula, sans l'arnaque. Un gros singe, le gros singe. Alors, attaque et obtient une carte d'empoisonnement, j'aime ça. Augmente les dégâts critiques 40%, j'aime ça. Une grosse potion d'empoisonnement, esquive les attaques pendant 3 secondes, c'est pas mal. Ça me permet d'esquiver 2 attaques. Alors c'est là qu'on peut se dire un petit bullet time pour déclencher ça juste à temps. Ok, on a esquivé de nouveau, mais là on va plus esquiver, on va donc faire ça. On empoisonne. Trop tôt. Ah et même le bullet time c'est chaud à gérer, hein. Ah oui, il nous a donné carrément des bananes par contre. C'est la teuf des bananes. Ah non, on a un autre casque, ouais, on va pas reprendre un casque maintenant. Utilise mes cartes contre moi. Ah la saloperie. Ok, il va falloir qu'on le défonce celui-là. Alors c'est parti, hop, on empoisonne, on attaque, ok, on l'a défoncé, le giga prêtre. 10 minutes on attaque à chaque coup infligé, bah, de toute façon s'il nous met une attaque on est mort, donc on esquive pendant 2 secondes au début du combat, on va l'empoisonner à mort. Dommage, on a pas ce qu'il faut pour... On empoisonne, on augmente notre attaque, on tape. On a 7 d'esquive. Parfait, ça passe. Avec 3 PV, c'est chaud, hein. Augmente l'empoisonnement de 2, récupère 50% des PV une fois par combat. Toutes les raretés ont la même chance d'apparaître au choix des cartes. Oh, sympa, mais il nous faut plutôt du soin, je pense, pour lui. Ah oui, c'est vrai qu'on doit changer, j'avais oublié. Alors, on va prendre l'affamé, du coup. Ça, on va prendre un petit peu de soin. On garde une banane, très bien. Démon 3, ange pleureur. Waouh! Chaque attaque portée pousse tout le monde à attaquer. N'attaque pas si ciblé. D'accord. Donc il faut qu'on le cible. On va prendre ça. On va l'attaquer au fur et à mesure, on va se faire un petit soin, on peut rien faire d'autre. Ok, nickel. On va défoncer. Prêtre de combat, chacune de tes attaques inflige des dégâts aléatoires. Et il est caché derrière une barricade, très bien. Alors c'est quoi ce truc? Des points américains. Les attaques ont 40% de chance d'infliger pourriture, j'aime. Attaque une fois, s'améliore tous les 5 PV perdus ou obtenus. C'est parfait. On est parti. Allez, on attaque.
putain, c'est lui qui me fait aussi mal là, il me vire mes dégâts quoi. Voilà, le one shot de la barricade, et on avance. Tu es tombé sur un piège avec des scies, des piques et tout, le tralala. Mais il y a un bonbon. Un bonbon. Réfléchir avant de prendre une décision. Au secours, implore Monsieur Bonbon. Alors je ne peux pas te manger maintenant. Sauvons Monsieur Bonbon. Monsieur Bonbon dit, le plus grand trésor est la souffrance de ses ennemis. HP réduit à 1, revenu d'or doublé. On n'a rien qu'une carte, c'est la merde. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Esquiver pendant 2 secondes au début du combat, bah oui, parce que du coup on a les objets du ranger qui nous servent pas à grand chose quoi. On va affronter démons. Renforce la vitesse d'attaque de tout le monde de 150% à chaque attaque et. Ok, alors il va falloir qu'on soigne, donc clairement on va prendre ça. Et puis on va prendre ça, la pourriture à chaque ennemi, ça me paraît bien. Alors on va prendre plus de dégâts, mais il faut qu'on soigne, hein. Pas trop de coco. Oh putain, il défonce. Ah, on a ressuscité. On avait un truc pour ressusciter. Ah oui, on avait ce truc là. Ok. Une fois par combat. Donc c'est qu'on récupère des PV, en fait, on peut ressusciter. 60% de chance de mettre pourriture, ça me va bien. On va prendre ça, parce que maintenant on met pourriture à tout le monde. Le prêtre de combat, il va être tout seul. On a combien? 30 PV, c'est pas ouf. Hein. On va prendre la double attaque, du coup on va éviter de se faire des dégâts. Attaque, on augmente notre vitesse d'attaque. 24 PV, ça devient chaud. J'ai l'impression que quelque chose de suit, quelque chose qui ne devrait pas être là. Ah, il est long l'étage, hein. Ok, un soin, ça c'est quoi? Top 3, 100 PV pendant 5 secondes, d'accord. Donc pendant 5 secondes, on défonce. Un gros singe. Ça c'est mieux ça. Redonne des PV. Attaque lorsqu'il redonne des dégâts pendant 4 secondes, ça peut être bien, mais on a besoin de se soigner. Sache, on va essayer de le garder pour le boss, hein. Même si ça va être un peu chaud. Non, vraiment pas mal, hein. Suffisamment, mais c'est chaud quand même. 80% de chance d'infliger pourriture à la place de 60%. Un combat le confessionnal, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. On passe à 90 PV max, mais on prend 20 dégâts. Mais on a le soin. Ah mais pour chaque ennemi pourri, il n'y a qu'un seul ennemi. Ouais, c'est pas grave. C'est quand même toujours ça de prix. On active ça, on vole des PV, on prend ça, on augmente notre force. Ok, on s'en sort mieux que... Avant le niveau, c'est bon. L'ange pleureur, il attaque pas si ciblé. Ah, mais il y a deux anges pleureurs. Ok, trois anges pleureurs, trois anges pleureurs. Très bien, donc on pourra pas tous les cibler du coup. Alors, on va garder nos PV. Augmenter notre vitesse d'attaque, plus de vitesse d'attaque. Et une triple attaque. Allez, c'est parti. Par là-dessus, on va booster notre attaque. Alors, avec 100 PV de plus, là, on a une attaque qui défonce. La violence. La violence. J'aime quand il est violent. On gagne de l'or parce qu'on a mangé le bonbon. On gagne de l'or parce qu'on a battu 100 ennemis. Nickel. Manger le bonbon dans l'église. Il y a peut-être moyen de manger des bonbons ailleurs. C'était rigolo. On va reprendre lui. Et on a le donjon après. On va retenter les égouts quand même. Et du coup ça veut dire qu'en refaisant les trucs, on a quand même moyen de gagner des trucs, hein. On peut refaire le didacticiel. Ça je sais pas ce que c'est par contre. C'est le nombre de fois peut-être où on l'a fait. Alors il y avait un moyen dans la démo pour que le didacticiel, le mec pète un plomb si on faisait le didacticiel. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Critique. Ah, c'est le présentoir à armure, il attaque pas, donc on va y aller. Pépouze.
Là t'as vite avec lui quand même, hein. C'est pas mal, hein. Là, c'est un cône de base. Ok, on va pas le tuer, on sait que il est hyper brutal. Fallait faire quoi? On a débloqué un artefact. Termine un niveau avec l'archer sans recevoir de dégâts. Ah oui, bon, c'est un petit peu triché pour le coup. Ok, bon, on va aller dans les égouts. On voit que c'est notre troisième tentative en bas. Alors, on va faire une blague aux tentacules. Bloque une irradiation, c'est pas si mal. Pile de déchets, octroie 2 d'or à chaque coup reçu. Ah bah on va prendre les attaques. Et on va prendre la vitesse d'attaque. Sinon on a quoi? Esquiver pendant 2 secondes au début du combat? Non. On va faire un peu de sous. Hop, hop, hop. Voilà, un petit peu de sous. Et bien bah, bonne fin de journée, Féa. Merci beaucoup d'être passé. Chouchou. On attaque et on empoisonne, on esquive pendant 5 secondes, ça c'est bien ça. Et on renforce les 3 prochaines attaques, ouais. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. On va mettre un petit peu d'empoisonnement, attaquer, empoisonner. Hop, on esquive. Alors, on va poter les fêtes de la substance cette fois. Vas-y, je t'attends, dit la substance. Augmente les dégâts critiques de 20%, c'est pas dingue. Contre ça plutôt. Avec le lance-roquette quoi. Chaque attaque permet d'esquiver pendant 1 seconde, pendant 3 secondes, ok. Immunisé contre le poison, ah c'est pas cool ça. On va pouvoir utiliser notre double attaque. On double attaque pour esquiver. Une attaque classique pour esquiver, parfait. Encore un slim. On va prendre le truc qui pioche. On va quand même prendre le petit casse parce que vu qu'on trouve pas mieux pour le moment. Une attaque. Le bullet time il aide beaucoup avec ce perso, hein. Attaque et empoisonne. Esquive pendant 3 secondes au début du combat, c'est pas mal. Des dégâts critiques. Nickel. On va lui mettre un petit poison. Piocher une carte. Esquive pendant 3 secondes, c'est pas mal. Ah, même si on esquive, il nous met de la radiation. Ok, c'est bon à savoir ça. La bombe nucléaire endommagée. Ah putain, on prend de la radiation. Ok, c'est parti. On attaque, on empoisonne, on empoisonne. On esquive. On esquive de nouveau. On esquive encore. Là, on devrait esquiver suffisamment. Par contre, on a plus de radiation, le salaud. Il renforce les attaques sur les radiations. Ça, c'est pas mal ça. Petit soin là pour lui. 4 secondes, empoisonne, 100% de chance que cette carte soit nouveau utilisable. Ok, très bien, on prend ça, ça s'améliore. On n'a pas trop le temps de choisir, hein. Là faut dépoter parce qu'avec la radiation qui fait des dégâts, c'est pas là pour déconner. Ok, on empoisonne, on fait ça, on esquive, on inflige des dégâts critiques, on va le tuer, parfait. On est soigné du coup grâce à notre petit artefact. 2 cartes et une radiation, allez go, on prend. Sur un rat qui t'assure que tu n'es pas radioactif. Tu ne peux pas me duper, vite créature. Bon, ce rat était la radiation même, un peu comme une brique tête de jus de fruits radioactive. Putain, 19 de radiation. Waouh. Ça commence à aller vite là. Ok, les dégâts critiques de 60%, ça me va bien. Les attaques empoisonnent au lieu d'infliger des dégâts. Ok, prends ça.
On va attaquer un rat en peignoir, hein, parce que pourquoi pas. Ok, ça commence à être tendu la vie. On tombe sur une très grosse flaque de déchets radioactifs. Consommez tout le radois et le radix en sa possession. Le caoutchouc s'est dissous instantanément. Ah merde. Voilà, ça devient chaud bouillant là. Hop hop, on prend ça, je sais pas ce qu'on prend, on prend des trucs, ça fait quoi ça? Augmente ton attaque à chaque seconde pendant 10 secondes, très bien, on empoisonne, on le défonce. Ok, ça nous permet de soigner un peu le golem des déchets. On prend ça, on prend ça, on prend ça, on y va. On empoisonne, prochaine attaque critique, plus dégâts critiques, check attaque esquive, on esquive. Il y a 170 PV, on va crever de la radiation. Ah là là, on a crevé de la radiation. Oh, c'est chaud. 100 radiation, faut accumuler. Violence. Allez, on se le refait. Tiens, mange. Mange. Esquive. Je devrais sillonner de terre moins dangereuse. On va essayer ça avec le compteur GG. Éviter la radiation, mais tu es tombé sur un rat. Ah, ça va. Le rat il va nous mettre de la radiation. Bah oui, forcément. Ça on va pas prendre. Attaquer empoisonne. Empoisonne, fait des dégâts critiques. Ah, c'est un grand rat en plus. Saloperie de grand rat. Oh ouais, on a réussi à le tuer avant qu'ils nous en mettent. Ça c'est cool. 40% c'est honnête, je prends. Dégâts critiques pendant 4 secondes, ça fait quand même 4 critiques. Alors, 2 éventes. Je décide de t'irradier pour obtenir de super pouvoirs. J'aimerais avoir des spooder pouvoirs, des pas de pouvoir. Tu réalises que c'était vraiment une idée de débile. Des pas de pouvoir. 50 d'or et 3 de radiation. Les tentacules sont malaisants. Prochain combat est évité. Du coup on arrive direct au boss, ok, très bien. Ok, on prend ça, 60% non. On inflige empoisonnement, plus pour chaque coup critique. On a une carte pour faire des coups critiques, pas vraiment malheureusement. On va prendre ça. Putain, il attaque vite. On esquive un peu, on augmente la vitesse d'attaque. Putain, 12 de radiation même si on esquive, c'est chaud. Hein. On inflige des coups critiques. Ok, on va prendre le truc qui renforce nos dégâts. Attaque et empoisonne, attaque et empoisonne. Augmente ton attaque pendant 10 secondes. Ok. Allez, étage 2. Je me trouve coincé dans une substance radioactive. Dire à la substance qu'elle est ravissante. Ok. On a le slime des déchets, mais ça devient tendu quoi. Empoisonne. Hop, on va prendre ça. En plus, on attaque plein de monde, on attaque des gens qui sont hyper brutaux là. Hop, on prend ça, on défonce, on fait ça, on empoisonne. Plus que 10 PV, c'est chaud des fesses. Tous les combats sont remplacés par des événements. On va crever. 3 PV. T'as mordu la cheville pendant que tu réfléchissais. Et merde. On est mort. Tué par la radiation. Putain, ils sont durs les égouts, la vache. Je pense que sauf si on est avec lui, on peut pas se les faire, c'est pas possible. On a 500 pièces. On peut pouvoir activer les pavénums et on va prendre des cartes en plus. Pour l'instant on a tout débloqué là, ok. Ah, on peut acheter des trucs ici aussi, j'avais pas vu. Ah, et on peut acheter des potions. Tiens, une carte à chaque étage. Pour le prochain run. On peut avoir des pistolets qui tirent sur nous-mêmes. Pour pour l'affamer quoi. La tronche du truc. N'importe quoi. Ah, c'est fort ça!
octroie l'effet berserk pendant que le héros a une protection et augmente l'attaque. Allez, on prend ça. Ah, j'avais pas vu, il y a plein de trucs à débloquer en fait, c'est super cool. Et pour le prochain run, on aura une carte à chaque étage. Ah bah ça va peut-être nous faciliter la vie. Allez, on va prendre le chevalier. On va essayer de partir dans le donjon, parce qu'après tout... Un chevalier va dans les donjons. On t'a prévenu pourtant, n'entrez pas ou vous mourrez. Tu as ignoré l'avertissement avec brio. Et maintenant on peut jouer avec le pavé numérique, ce n'est absolument pas pratique. Ouais, ils jouent nos propres cartes, c'est vrai, la saloperie. Putain, il nous a piqué deux cartes de protection, quoi. Pas cool. On n'avait pas de carte d'attaque, donc on n'a pas pu se le faire vite. 10%, ouais, c'est trop cher. Un cône gangster avec des flingues. 25% de chance de stun, ok. Ah, on a la carte qui s'améliore, ça c'est cool. On va prendre ça. Alors, on peut pas marquer, mais on va prendre ça et on va augmenter notre vitesse d'attaque. Oh, il nous a stun, le salaud. Allez, on le tue là, tant qu'il nous restun. Ok, c'est bon, il nous a pas restun, c'était juste. 20 PV max, ça c'est bien ça. On reprend cette carte là et on reprend l'augmentation de la vitesse d'attaque. Allez, on attaque. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu rencontres un petit gobelin, il tient quelque chose dans ses mains. On vole le petit gobelin. Tu as pris la dernière possession de ce petit gobelin, mais c'est vite vengé en te donnant un coup de pied dans les parties. Ah. Bon, il nous a quand même donné 3 bonnes cartes. Tonneau de poison. On poisonne à chaque attaque. On va prendre ça. Il serait bien qu'on commence à générer un peu de marque par contre. Parce que nos attaques pour le moment... Bah on n'a pas de marque quoi. Allez, on va lui mettre une marque, derrière on fait ça, une double attaque. Nickel, bon, on a... pour l'instant ça va. Pour l'instant ça se passe bien, 8 protections, ça c'est un bon objet. Attaque et applique une marque, j'aime beaucoup. La fleur, ah la fleur. Ok, on commence avec 8 protections, on va voir si on, est... on peut éviter de... d'utiliser une carte. Ça va passer, elle va nous faire une attaque et on la tue. Parfait. Le cadavre. Ah, le cadavre, il est chaud. Un cadavre, c'est tout. Circulaire, rien à voir. De mémoire, le cadavre, c'est celui que je pense. Il fait que 1. Sauf que plus il attaque, plus il attaque vite. Du coup, à la fin, il fait que 1, mais genre 25 fois par seconde, quoi. Une attaque sur 4 applique une marque. C'est pas mal, mais c'est pas non plus game changer, on va dire. J'ai de quoi mettre une marque. Ouais, j'ai de quoi mettre une marque. Là il est à 7, 6, 7, ok, dès qu'on le tape. Ah oh, c'est ça, il a une seconde maintenant. Ok, il faut qu'on augmente notre vitesse d'attaque. Ouais voilà, ça y est là il est énervé là. Saloperie, je vais te défoncer. Une main avec un œil, tu m'as donné une carte, très bien. Le miroir il faut qu'on le défonce. Une attaque sur 3 applique une marque, ça c'est pas mal ça. Ok, il faut qu'on ait des cartes d'attaque pour lui faire mal à lui le plus vite possible. On lui met une marque. Ensuite on attaque, on prend les protections, il a pris la protection avant qu'on la prenne. Ouais, c'est chiant parce que eux ils nous obligent à cramer notre deck en fait. Un gobelin et un gobelin guérisseur. Ok. Une marque et une double attaque. On attaque lui. Il a une marque, une double attaque, il est mort. Voilà. Ça il soigne plus ses potes comme ça. De plus en plus fort, c'est bon. On a pris un peu cher. Es-tu un speedrunner? Mais oui! Alors bonne chance, vous en avez quoi? Le héros attaque un adversaire, ok. Ah, le cadavre avec juste ça! Waouh, ça va être tendu, hein.
Il nous faut masse de défense. On n'a pas du tout ce qu'il faut pour mettre de la... des dégâts, pour mettre de la marque. On va pouvoir le stun un peu. Ok, on le marque. Ouais, on fait vraiment pas assez de dégâts. Ça y est, il s'est réveillé, c'est fini. Je l'aurai. Je vais me le faire. Faut qu'on garde toutes nos cartes. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je le sentais mal, mais non, il n'y avait pas de piège en fait. Deux de protection, c'est nul. On va prendre cette carte là, avec un peu de chance on la piochera. Ah, le zombie pénible. Non, il est pénible lui. Je vais faire une double attaque. Voilà, on le tue une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Encore une fois, non, ça y est, il a plus son truc. Ah, il est violent le cadavre, hein, Mazamara. C'était un des boss les plus durs à tuer dans la démo et j'ai l'impression que... Attaque plus rapide pendant 3 combats, on va prendre ça. Je pense que ça passe. Ah non, dommage, ça passera pas. Bon, c'est pas grave. Octroie l'effet berserk pendant que le héros a une protection. Ouais, on va prendre, c'est basique mais efficace. Médecin de peste, c'est parti. Là il nous faudrait le truc qui donne de la protection au début. Mais le berserker là, ça fait plaisir. Une attaque sur 4 applique une marque. Ah, ça fait 12 maintenant, c'est cool. On va le prendre quand même. Bulldog applique une marque à chaque attaque. On boost, on boost. On devrait le défoncer, nickel. Si on, avec ce truc là, si on peut... Ah parfait, ça c'est nickel, on pioche ça aussi. On va prendre cette carte là, en espérant avoir de quoi mettre des marques... Oh non, pas lui, mais non, pourquoi? Ah, il va nous faire super chier, non c'est nickel. On l'a défoncé assez vite. 8 de protection au lieu de 6, est-ce que ça vaut le coup? On a ça, ça c'est cool. On peut mettre des marques. On va prendre les attaques, non, on va prendre le truc qui met plus de défense, il est marqué. Et là, faut le défoncer. La marque, on attaque, on monte notre test d'attaque, on met de la protection. Ok, on l'a mis à 50 PV. Ça passe! Ça passe! Tiens, mange! Foutu cadavre! Après qu'une carte soit jouée, 25% de chance de tirer une carte, ça c'est cool ça. Alors après, gobelin à la hache, gobelin guérisseur, ok. Une attaque, une petite protection. Une protection un peu plus efficace. On va prendre le truc qui donne 8. Début d'étage, c'est plutôt pas mal. Ok, on a passé le cadavre, ça me fait plaisir ça. Tape sur lui. Plus de... On n'a plus de protection, donc on n'a plus notre berserk, c'est le moment de taper. Ralentir l'ennemi, moins. Applique une marque, ça c'est cool, on va stun. On va jouer la protection, lettre oubliée, à la même vitesse d'attaque que le héros. Ok. Lettre oubliée, hein, le nom me fait pas rêver là. Ok, ça passe. Es-tu un speedrunner? Ah non! Applique une marque, toutes les 4 protections en ta possession. Générons de la marque. Oh, augmente le bonus de protection de 8. Ah, on a le truc qui donne berserk. On va garder le truc qui donne berserk, c'est quand même bien cool. Hein. J'avais pas vu, il y avait une fleur derrière. Ah, ça c'est chaud, ça va nous faire hyper mal. Ok, c'est bon. Porte de prison et bombe. Ah ah, ah, ça va faire tellement mal. Ok.
Est-ce qu'on peut pas viser ce qui est derrière, j'imagine? Ouais, on peut pas. Non. Ok, faut attaquer. Carte d'attaque, on stun. On met une marque. On la défonce. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe. Augmenter la vitesse d'attaque, non. Ah, attaque un ennemi, ça s'améliore après chaque utilisation. Ça, c'est cool, ça. Une bombe, deux bombes. Donc, il nous faudrait plutôt de l'attaque, là. Ok, déjà, on défonce. On met une marque. Ensuite, on voit, on met une marque. Bon, c'est cool, là, avec des bombes, on prend pas de dégâts. Du coup, ça nous permet de bien booster. Une attaque sur deux applique une marque. Allez, on prend... Le nécromancien invoque des squelettes. Nécromancien avec ses lunettes. Visiblement il a une caisse. Ça on va prendre, ça pourrait être utile pour la fin du niveau. 50 PV. On va faire ça. Une petite carte d'attaque. Ça passe. La Slim 64. Ah oui, quand on tue il se divise, lui je me souviens. Ah il est horrible aussi. Augmente l'attaque, non c'est pas utile. Ok, on pourrait prendre ça et ça. On a de quoi mettre des marques. Ouais. On va augmenter notre vitesse d'attaque. Faut attaquer le plus vite possible avec lui parce que les dégâts servent à rien parce qu'il a un PV. On prend ça, on prend ça. Par contre il va devenir de plus en plus énervé. Voilà, et là quand ils sont super énervés, qu'ils commencent à attaquer. Okay. La défense là qui perd là. Ah là là, je sais pas si on pourra encaisser, il y en a encore beaucoup quand même. Heureusement on a le berserk qui dure. Allez, on est fini, on est fini. Oh oui, ça passe. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. On va prendre, on va générer de la carte. J'aime beaucoup le principe de générer de la carte quand on prend des dégâts et quand on pioche des, enfin quand on joue des cartes, c'est ça. Quand on joue des cartes, ok. Une sorcière. Joue ta carte la plus à gauche contre toi. D'accord. On va jouer nos cartes vite fait avant qu'elle attaque. Allez, faut la tuer. Non, elle a joué. C'était juste, j'ai cru qu'elle allait prendre mon berserker là. 10 protections, ok, on prend. Double la protection, ça on va prendre, et ça on va prendre. Un médecin de peste, deux médecins de peste, ok. C'est parti. Le petit 24 de protection qui fait toujours plaisir. Waouh 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 waouh, on se calme. Oh la vache. J'ai rien vu venir. Ah putain. Oh la génération de cartes de taré. Oh. Waouh. 74% du donjon on a fait. C'est pas si mal. Franchement c'est pas si mal. On a récupéré plein de sous. On va pouvoir débloquer une arme. Les coups critiques augmentent la vitesse d'attaque. Ouais, je vais prendre le pistolet qui tire vers lui-même. Hein. Rien que pour le style. Et ça c'est quoi, un oreiller? Non, un... je sais pas ce que c'est. Si c'est ça un oreiller, ça c'est le petit oreiller de voyage. Et là c'est un gros édredon. Une petite arme. Un home. Alors un home pour l'affamé. Tu as 20, 30, 40, 50% de chance de dupliquer une carte et de t'auto-infliger des dégâts quand tu tires une carte. Ok, pourquoi pas. Et un petit home inflige empoisonnement quand un ennemi rate son coup. Oh, c'est pas mal ça aussi. Et des petites bottes pour notre ami... pour notre ennemi le chevalier. Consomme du sepsi et on débloquerait ce personnage si on consomme du sepsi. Donc ok, fort bien, fort bien. Termine le donjon sans prendre de dégâts. Waouh, waouh, waouh. Wow. Alors Mazamara, visiblement, je peux pas savoir exactement, mais de temps en temps, j'imagine quand je débloque les bonnes zones, ça me donne des quêtes. Et là, par exemple, là, si j'arrive à trouver,
J'imagine l'événement qui me permet de consommer du sepsi, que je choisis de consommer du sepsi dans l'événement, je débloquerai ce perso. Comme tout à l'heure, si je trouvais la cellule dans la jungle, je débloquais l'archer. Et que j'arrivais à l'ouvrir, il fallait que j'ai la clé pour l'ouvrir aussi. Gagne en pariant sur 0. Ok. Le sepsi, je sens bien que c'est un truc dans les égouts, mais je ne me souviens pas l'avoir vu, donc peut-être pas. Peut-être que c'est apparu dans le donjon, ça. On va tenter le donjon avec l'archer. C'est parti. Alors avec lui, je sais pas si on va pouvoir gérer le cadavre. Hein. Les mini slim, pas de problème, on gère. 3 secondes d'esquive au début du combat, pourquoi pas. Le zombie pénible, on va augmenter notre vitesse d'attaque pour lui. Petite attaque. Ça va, il avait 2 ressuscitations. Alors, on va prendre le coffre argenté pour pouvoir avoir de l'empoisonnement, parfait. Alors, on va pas reprendre direct une botte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un gobelin guérisseur et un gobelin de base. On a bientôt terminé la quête pour tuer tous les gobelins, je pense. On va prendre plus d'attaque et plus d'attaque. Non, des cartes d'empoisonnement, on en a déjà pas mal. Alors, on choisit celui-là, on l'empoisonne, petite attaque critique, et c'est fait. On va garder... il fait trop mal, on fait pas assez de dégâts, on le tue. Faut essayer d'économiser un peu des cartes, parce qu'on a toujours le cadavre à la fin, mais... Ah, ça c'est la carte qu'il nous faut, les dégâts critiques, du dégât critique. Machine à café, rend tous les alliés plus rapides, et un squelette qui provoque. J'imagine que provoque, ça nous oblige à l'attaquer. Ok, ça va. C'est bien passé. Oh bah parfait. Alors encore une botte, non. 4 secondes c'est pas assez. La bombe et la porte de prison. Ah bordel, il va falloir qu'on attaque du coup. Quoi, ça attaque un adversaire avec 3 esquives. Ouais, ils vont pas attaquer donc c'est pas utile. Par contre, on va pouvoir empoisonner la porte de prison. On empoisonne. Allez, allez, 4, 3, 2, ouh, ça passe. Là, une one-shotée la bombe. Hein. Alors, par contre, le cadavre, je suis pas serein là. Augmenter les dégâts critiques, non, il nous faut de la carte. Attaquer, empoisonner, ça me va bien. 5 secondes d'attaque, ça peut nous sauver la vie. Et là, on va prendre ça parce que ça nous permet potentiellement d'empoisonner en boucle. On va augmenter l'attaque, on attaque, on empoisonne, on empoisonne, on empoisonne. Ah putain, c'est pas revenu. 3 secondes d'esquive. 3, 2, 1. On esquive pendant encore 5 secondes. On fait tellement pas de dégâts. On réesquive pendant 3 secondes. Oh la vache, on n'a pas esquivé pendant quelques instants et il nous a défoncé. Non, on ne le tuera pas. Aïe 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 aïe. Ok, on est trop mou. On est trop mou. Par contre, on a débloqué les gobelins et on a une récompense en or du coup. Ok, très bien. Voyons voir ce qu'on peut débloquer avec 100 balles. Là, on a tout pris. Une attaque sur 4, 3, 2, 1 inflige des dégâts critiques. Allez, on va prendre ça. Et celle qui donne de la protection. Le cadavre, il est tendu. Vraiment tendu. Essayez de conserver nos esquives. Non, 3 secondes, on sait qu'on va avoir mieux. Hop. Prendre ça, on a le bulldog, on va prendre une vitesse d'attaque pour le gérer. Putain, on fait tellement pas mal quoi. Euh,
Dégâts critiques de 40%, pourquoi pas. On va prendre ça, empoisonner. Empoisonner. Le médecin de peste. On t'empoisonne. Et on te tape. Ok, une autre esquive, on devrait pouvoir attaquer juste avant, parfait. Un événement. Les PV sont restaurés, attaque plus rapide, attaque plus rapide. Là on va avoir ça va durer jusqu'au boss là. Dégâts critiques de 60%. Attends, mais donnez-moi des d'autres objets s'il vous plaît, donnez-moi d'autres objets. On va stacker de l'esquive, attaque si je joue une carte. Ok. Pas cool ça. Ok, ça va. Jouer une seule carte, ça suffit. Inflige un empoisonnement de 1 quand un ennemi rate son coup. Oh, ça peut nous permettre de scaler sur le boss de ouf. La porte de prison. On empoisonne parce que sinon on pourra jamais le tuer assez vite. Ok. Le cadavre. Alors, le cadavre. Qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est quoi? Applique un effet coup critique x5 à la prochaine attaque. Pourquoi pas? On peut esquiver, on va pouvoir l'empoisonner comme un gros sac. On va le mettre devant. On empoisonne comme un gros sac. Esquiver les attaques pendant 5 secondes, 3 secondes. On a un petit potentiel d'esquive qui devra en plus lui stacker du poison comme un porc. On va même prendre la carte améliorée. On va prendre ce truc là. Bon, faut voir si ça passe. On empoisonne, on empoisonne, on empoisonne. Ok, il est parti, il nous attaque. On commence à esquiver. 2, 1, on réesquive. Oh, il est mort. Oh oui, il est mort. Il est mort. T'es mort. Augmente les dégâts de 1 quand les ennemis ratent leur attaque. Ça, c'est pas mal, parce que vu comment il est mou... ce serait bien qu'il soit un petit peu plus efficace quand même. Ok, on a passé le cadavre, ça c'est cool. Par contre niveau artefact on a des casques, c'est un peu chiant. Ah, il y a un médecin de peste, c'est pas cool ça. On retombe à 2 à chaque fois. Bon. Permet d'esquiver pendant 4 secondes, plus 4 pour chaque coup critique dans cette bataille, ok. On a encore un casque, mais donnez-nous autre chose. Le nécromancien. La petite saloperie de nécromancien. Coup critique, on le défonce. Ah, il faut le tuer là. Je peux pas focus sur lui. Je peux pas focus sur lui parce qu'il y a lui qui provoque. Saloperie de squelette qui provoque. Meurs. Le roguelite, un Ankou, ça me dit rien du tout. Je connais l'Ankou comme étant l'âme perdue ou le passeur des morts dans la mythologie celtique, mais je connais pas le roguelite. Il y a tellement de roguelites après. Alors il nous a donné quoi ? On croit une carte aléatoire pour chaque ennemi empoisonné, ces cartes deviennent éthérées. Ah, éthérées, c'est qu'elles disparaissent du deck, je crois. Ah, bah voilà, on commence à avoir un peu de. Un peu de cartes. Il y a un seul bulldog. Non, il y a un bulldog. Ah, il y a la fleur. Ok, faut qu'on se fasse la fleur direct. Écoute, je jetterai un œil. On va voir à quoi ça ressemble. Ok, 20 dégâts là, s'il nous avait tapé il nous aurait fait tellement mal. Alors l'empoisonnement, empoisonnement de 3 quand un ennemi rate son coup, hein, là, on va la prendre. Hein. Le miroir et la pendule maléfique. Vole une carte à chaque coup reçu. Ok, faut qu'on vise le miroir parce que lui il va utiliser vraiment nos cartes. Ok, on vise le miroir, c'est parti, on l'empoisonne, on tape, on esquive. Il nous a piqué notre carte, il nous a touché notre carte.
moins on esquive. Mais il nous rend nos cartes lui, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Faut que je regarde du coup, parce que j'aime beaucoup les roguelites, hein, comme tu l'as peut-être remarqué si tu regardes un peu les vidéos que j'ai fait. Et c'est vrai que j'en ai quelques-uns sous le coude, mais celui-là me dit absolument rien. On va mettre plein de poison et on pioche plein de cartes. Ah, elles ont disparu. Ah, et Terry, c'est qu'elles disparaissent à la fin, d'accord. Je pensais que elles étaient jouables qu'une fois, mais non, c'est qu'elles disparaissent à la fin du combat. Alors, il y a un gobelin d'hérisseur et une bombe. Ah, l'enfoiré. Le petit enfoiré. Ok, on vise lui, on va lui mettre du poison, encore du poison, un petit critique. Ça va suffire à le tuer. Enfin, on va lui remettre un peu de poison, elle aussi. Et le slim. Alors le slim, on est à poil. Hein. Ça pourrait être utile, mais ils ont de toute façon un dégât. Non, il nous faut de l'esquive là. Pourquoi tu nous donnes que des cartes de poison, au secours? Que des cartes de poison, ça sert tellement à rien contre lui. Bon, bah, ça fait quand même une esquive, hein. La jauge se remplit, on prend l'esquive. Le poison devrait faire qu'il devrait s'auto-tuer. On prend un peu d'esquive pour arrêter leurs attaques. On prend un peu d'esquive. 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 Il nous reste du PV. On a plus d'esquive, on prend un peu d'esquive. On a plus d'esquive, on prend de l'esquive. On a plus d'esquive, c'est notre dernière carte. Allez, ça passe là. On clip. Oh, ça passe. Alors tu vois, on monte pas full life, on gagne 20 PV à la fin des... quand on tue un boss. Tu fermes des ressources et tu craftes toi-même. Ah, je sais pas si. Alors, je suis pas trop farm. Après, bon, roguelite et farm, on est d'accord que ça va ensemble, mais j'aime bien quand il y a un équilibre. Infliger des coups critiques. Une carte de plus après le combat, ça me va bien ça. Gobelin à pioche, gobelin, machine à café, rend tous les alliés plus rapides, faudra qu'on la tue d'abord. Immobilise quelqu'un sur le champ de bataille à chaque coup, il peut s'auto-immobiliser. Très très bien, non on va garder notre casque qui donne de l'empoisonnement, c'est vraiment très fort. J'aime beaucoup ça. Et on peut prendre une carte de plus, ça c'est bien ça. Bon, par contre il faudrait qu'on trouve un moyen de se soigner. Actuellement ça manque un peu. Alors on va choisir la machine à café. On empoisonne, on prend de l'esquive. On va prendre probablement la vitesse parce qu'ils sont quand même nombreux. Ok, il a immobilisé ses deux copains mais pas moi, ça c'est plutôt cool. Ah bah voilà, enfin une botte. On va prendre ça, on a quoi? Petite fractale, obtient une armure rebondissante, change de cible quand une carte est jouée. Ok, il est tout seul donc ça devrait pas gêner. On va lui mettre... Ah la vache! Ah oui d'accord, ça pique. Alors, tu as respecté un prospectus dans la promotion du don du sang. On va te donner notre sang. Ils veulent une quantité non négligeable. Ils prendront tout ton sang! Défiant toute logique, tu as survécu. Ce sacrifice charitable te rapporte un artefact. Oh putain, on a plus qu'un PV, on a eu quoi? Artefact, 50% de chance de gagner une carte. Ah, elle est... de garder une carte. Elle est forte, mais... va falloir qu'on esquive, là, hein. Alors ça, on a déjà 5 secondes d'esquive au début, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Ah, des miroirs. Plein de miroirs. Ça, c'est pas cool. On esquive, il prend du poison. On esquive toujours. Ok, bon. Il va falloir qu'on termine les combats très vite. Si on prend un coup, c'est fini. Un empoisonnement de 4. Cône, cône costaud, cône gangster. On a de nouveau ce truc-là. On va reprendre de l'esquive. Et de quoi renforcer les attaques, et du coup on va se permettre de prendre ça. On a de l'esquive, on va
passer ça de nouveau, on a des esquives toujours. On a plus d'esquives mais ils sont morts. C'est chaud. Vitesse d'attaque, esquive. Alors, ça c'est quoi? Main. Les mains deviennent aussi puissantes que la sorcière. Ok, on va défoncer la sorcière du coup. Enfin, il nous faut une carte de plus. On va prendre ça. Si on les empoisonne toutes, ça peut être bien utile quand même. Alors, on vise la sorcière, on l'empoisonne. On met du poison là. On joue ce truc là. On empoisonne, on retape la sorcière, on augmente notre vitesse d'attaque, on a défoncé les mains du coup. Alors c'est pas non plus du farm en grande quantité car les ennemis arrivent en continu en augmentant de niveau, il faut... Ah oui donc c'est ok, je vois c'est un jeu de vague. Ah bah si c'est un petit truc un peu à The Last Spell, je vais aller voir hein. Tu me le vends bien là. Alors augmente ton attaque de 1 à chaque seconde pendant 10 secondes. Ok très bien, on va prendre un petit peu de tac et renforcer les attaques. Et de l'esquive. Alors on a quoi? Une bombe et un gobelin mort. Et un gobelin normal. Ah, 3 ennemis. Alors, on empoisonne lui, on attaque. Hop. On va renforcer nos attaques. Normalement on devrait esquiver son attaque au pire. Critique. Ok, on a esquivé son explosion. Papa fractal. What the hell is that? 100 d'attaque, 15 secondes, 10 000 de dégâts. Monsieur. La violence du mec. Ok, donc on va l'empoisonner. Tout ce qu'on a, on empoisonne, on attaque, on a encore plein d'esquives possibles. On empoisonne. Putain, on a tellement d'empoisonnement. Tant qu'on joue des cartes, en fait, l'artefact là, il est vraiment fait pour jouer avec lui. Hein. Parce que du coup, à chaque fois qu'on joue, ça nous redonne des cartes, et à chaque fois qu'on joue des cartes, ça nous donne de l'esquive. On va quand même renforcer un peu, on va faire ça. On va augmenter notre vitesse d'attaque, parce qu'il faut quand même faire des dégâts. Il a 8000 PV, le petit salaud. Esquiver des attaques, on va renforcer nos attaques. On va se rajouter un peu d'esquive, renforcer nos attaques. Encore une, on renforce nos attaques. Ah la violence de ce poison là. C'est n'importe quoi. Bon allez, on se fait plaise. C'est n'importe quoi. Là on sent bien le côté, t'as 100 cartes, t'as 200 cartes, vas-y, joue tes 200 cartes, rien à foutre. Est-ce que je peux jouer avec mon pavé numérique? Même pas. On a 100 esquives quoi. C'est clairement pas nos dégâts qui font du DPS. Hein. Alors, on lui enlève 300 PV là. Allez, encore un coup. Allez papa fractal, mange papa fractal, mange! Obtient 5 artefacts en une rune. Une run, pardon. Et du coup, bah, on a même pas fait 10 000 de dégâts parce que c'est le poison qui a fait les dégâts pour nous. Cette déception, quoi. Ouais, on n'a pas réussi à débloquer le sepsi, dommage. Démoli la sangsue 3000. Il y a toujours des nouvelles quêtes qui apparaissent régulièrement. On n'a pas débloqué de nouvelles potions, c'est dommage. Franchement, le casque qui fait des empoisonnements, c'est vraiment super fort. Hein. Des bottes de soins, ça j'aime beaucoup le concept. Ajoute poison massive, x8, 12, 16, 20 à ta prochaine pioche. Go, carrément.
Augmente l'empoisonnement. Ok, franchement, vraiment vraiment rigolo. Je vais arrêter l'épisode de VOD là, il est suffisamment long, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.